Allez, c'est parti. Transition, transition. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 29 mars. Putain, déjà fin mars. Incroyable. Au programme ce soir, très rapide parce que je vais pas pouvoir rester ultra longtemps non plus. Déjà parce qu'il faut que je me prépare parce que demain je pars en week-end et surtout. Faut que j'aille dormir, tout simplement. Du coup, contrairement à ce que je voulais faire, on va faire un petit point rapidement parce que j'ai repensé à pas mal de choses, notamment parce que bah on a vu qu'on pouvait avoir un Minayo facilement sur mon NAS et je voulais refaire un point sur mon architecture à moi, sur comment est installé le cluster et ce qu'on va vouloir faire avec. Et parce qu'actuellement, il manque pas mal de choses. Il manque pas mal de choses. On est sur quelque chose de. Alors, pardon. Hop, je fais ça. Voilà. On est sur du brut de décoffrage. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, il y a quelque part un replay de live où je lui refais une beauté, je lui ai refait une première beauté avec le comment? Alors qu'est-ce qu'il y avait? On avait la montée de version, la couche réseau qu'on a changé aussi parce que je voulais commencer à implémenter des network policy. Je suis toujours pas allé au bout de la démarche. Et grosso modo, on s'était arrêté là. Parce qu'en plus, à l'époque, quand j'avais fait la remise à niveau, la montée de version, j'avais viré le peu de monitoring que j'avais, parce que de toute façon, je m'en servais pas. Et j'avais dû virer un ou deux autres trucs à l'époque, on n'avait pas encore installé. Et genre, typiquement, entre-temps, le Vault Warden, je l'ai toujours pas réinstallé. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai pas refait, mais. Il y a plein de choses que je n'ai jamais fait et qui commencent à me manquer sérieusement. Donc du coup, je vais refaire un petit point. Alors, comme je déco dans 1 heure, on va revoir tout de suite. Alors, j'espère que ça va être assez visible pour vous. Je vais peut-être le repasser en mode clair parce que franchement, le mode sombre, ça va être terrible. Transition. Petite application que certains d'entre vous connaissent certainement bien déjà. Alors, historiquement, l'application s'appelle Draw.io. Donc, le domaine d'origine, c'était Draw.io. Ils ont changé en Diagrams.net. L'application est toujours la même. Ça permet de faire des schémas avec plein d'icônes. On va chercher un petit peu. Alors, il y a des formes de base, il y a des formes génériques. Et après, on peut rajouter une quantité de voilà d'icônes assez assez monstrueuses. Hop. Donc on peut vraiment se mettre bien. Et je pense que ça va suffire. Une fois qu'on aura fait ça, ouais, voilà. Première étape. Alors, première étape. Bon, déjà, on va se mettre un joli rectangle. Hop. Ça, c'est chez moi. De toute façon, là-dedans, ça va être le même bordel que ce qu'il y a sous ma télé, en fait, hein. C'est à peu près très mal rangé. Alors, non, par contre, il m'a pris ça. C'est plutôt ça que je voulais. Voilà. Ça, je le mets comme je veux. On va lui mettre ça comme style parce que pourquoi pas. On va commencer par dire que je suis relié à Internet. Alors on a quoi? C'est quoi ça? Wireless Hub? Non, on n'a pas un truc qui ressemble à un wireless modem? Ouais, par exemple. On a une jolie Livebox. Je reviens pas sur la version parce que de toute façon. Hop, voilà. Comment dire? Alors vous voyez peut-être en tout petit, ouais, en trop petit même. Voilà, grossir un petit peu. Ouais, c'est un peu plus lisible.
Je suis donc relié à Internet avec tout ça. Alors, on peut faire un truc comme ça. Pouf, pouf. Voilà. Déjà, ça commence bien. Le truc n'est pas aligné. Quel bonheur. Et après, c'est là où on va... où on va faire des AVC aux pros de la sécurité. Parce que pour plein de raisons, je suis mauvais en réseau. Je vais pas vous détailler non plus l'intégralité des switches, mais... Dans le même réseau, puisque tout est à plat, en fait, hein, voilà, on va pas le dire, il y a... Alors, je suis pas sûr qu'on ait les trucs classiques là-dedans. Je vais mettre directement, on a quoi dans les Kubernetes? API, CCM, on s'en fout, on n'a pas un truc qui ressemble à juste un... Ah non, on va avoir que des... Là, c'est que les objets Kubernetes, ouais. Donc, comme on n'en est pas sur le détail... je sais pas, allez, on va mettre serveur. Hop, on a quoi? On a des grosses tours. Ok, on... Générique serveur? Ouais, générique serveur. Allez, hop. On a... Un premier ASPI qui est Master4S. C'est pas son vrai nom, mais c'est pas grave, on s'en fout. On a un petit... Oh là, raté. Un petit frère. Raté. Qui est un worker, enfin un node. On a, pour le coup, est-ce que je... Allez, on va l'appeler serveur rack, celui-là, parce que c'est... alors, comment je l'ai appelé, celui-là? Pimousse. Pimousse, c'est le Proxmox historique. Alors, c'est pas celui que j'ai présenté, qui est toujours sous mon... Il y a beaucoup trop de trucs branchés dessus. Donc celui-là, pour ceux qui connaissent, je vérifie que vous voyez bien, oui voilà, que j'ai déjà présenté il y a moult temps et sur lequel on a déjà fait pas mal de bricolage, d'ailleurs encore récemment, puisque quand j'ai fait l'épisode sur comment héberger son propre Spotify, il y a eu beaucoup de succès sur YouTube, d'ailleurs c'est très rigolo quand on met les bons, quand on met des mots-clés un peu comme ça, bizarrement. Puff, c'est la vidéo est proposée comme ça à plus de monde. Allez comprendre. Bref, donc c'est pas celui-là. C'est mon ancien. Sur lequel il y a toujours qu'une seule. Il y a toujours plus qu'une seule machine virtuelle. Et dans les trucs qui vont nous intéresser. Bof. Non plus. Bon, bah... Hop. Mon NAS que j'ai appelé avec beaucoup de... Comment dire? D'originalité, The NAS. Voilà. Le précédent s'appelait Storage, hein, donc on est toujours entendu. Et donc tout ça, c'est vraiment à plat pour l'instant. Alors j'ai pas prévu que ça change à court terme, parce que bah, comme je suis pas bon en réseau, je n'ai pas non plus l'intention de... Manifestement, hop. Pouf. Pouf. Bon, je sais pas pourquoi on peut pas changer, tant pis. C'est pas grave, mais tout ça... Hop, voilà, ça va au même endroit. Je sais pas si c'est parce que... Il est pas... J'arrive pas à lui... Bon. Bref. Voilà. Donc tout ça, voilà, ça communique comme ça.
Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est que du coup, les volumes. Alors, je vais pouvoir le faire comme ça. Potentiellement, oui, parfait. Ça me plaît bien. Impeccable. Alors, par contre, on va le décaler comme ça. Je peux pas le. Pitié. Non, je peux. Ah, voilà. Et donc, pouf. On va le faire comme ça. Voilà, on peut le faire comme ça, parfait. Voilà, le stockage de mes raspis va sur le NAS. Donc là, il y a déjà les stockages persistants. Et je prévois d'en mettre plus, donc comme j'ai dit, il va y avoir un MinIO qui est un stockage objet. Et ce MinIO va pouvoir me servir à stocker plusieurs choses. Première chose, alors là pour le coup, on va se. Les backups! J'ai fait un épi un micro épisode assez on va dire moyen parce que j'étais encore plus en mauvais état et préparé qu'aujourd'hui avec Velero. Donc ça va sur Minayo. Pour l'instant, ça ne va être que de la sauvegarde d'objets cubes. Pourquoi? Parce que bah, les volumes sont déjà sur le NAS. Et que j'ai pas forcément besoin de faire un stockage sous un autre format, puisque les volumes qui sont sur le NAS, eux, sont sauvegardés chez Etsner via Cloud Backup Center, qui est l'application qui est intégrée au NAS, qui me permet d'exporter mes données ailleurs. Par contre, autre point qui va être intéressant que j'ai vu. Que j'ai lu et donc il me reste juste à implémenter. Hop, on va le faire comme ça. Est-ce qu'on peut pas. Hop, on se fait une petite ligne verticale comme ça. Hop, je vais remettre mes backups. Donc Velero vers Minayo, le NAS vers Etsner, sachant que les données de Minayo seront envoyées chez Etsner aussi. Voilà. Donc si je fais ça comme ça, je peux même préciser ça. C'est pas grave, on va décaler ça comme ça. Ensuite, deuxième sujet intéressant, important. Si vous l'avez vu dans le titre. Allez, on va le mettre en français. On va mettre en français. Allez, on va faire ça bien. Sauvegarde. Hop, voilà. Journalisation. Alors. J'ai bien écrit, oui. Vous le savez, j'ai une préférence pour les installations légères. Je suis chez moi, j'ai pas envie d'avoir des trucs qui consomment de trop. Du coup, pour ceux qui utilisent du Kubernetes, très souvent on va vous dire oui, bah tu mets un ELK ou un truc équivalent. Donc Elasticsearch, déjà lui tout seul, il consomme au moins 1, 2 gigas de RAM. Ensuite, vous rajoutez par-dessus le Kibana, vous et alors après, par contre, bon, la partie collecte des logs dans le cluster, donc souvent, alors ça va pas être ELK, ça va être EFK, parce qu'on va avoir tendance à utiliser Fluent Bit maintenant dans Kubernetes, qui est beaucoup plus léger et performant, c'est vrai. Et comment? Et lui, bon, ça va, c'est un peu plus facile. Mais il y a des alternatives plus légères qui existent. L'alternative que moi j'ai envie de tester, pour ceux qui connaissent un petit peu, évidemment.
Non, en vrai, non, ne tomberont pas de leur chaise parce que je vais utiliser Loki. Et Loki, pourquoi? Parce que Loki, apparemment, on peut stocker les données sur Midayo. Voilà, voilà. Alors, par contre, sujet qui va être voisin avec la partie monitoring. Je garde le, parce que je garde le monitoring pour la fin parce que ça va être le plus gros sujet. J'ai un gros truc là-dessus. Donc le problème, ça va être où stocker Loki, enfin où déployer Loki. Je m'explique. En fait, Loki, c'est le serveur qui ingère, qui va ingérer les logs. Et il va les stocker dans son propre format, et après vous utilisez un outil comme Grafana pour visualiser vos logs. En fait, l'outil qui collecte les logs, il s'appelle Promtail. Donc lui, on le déploie dans le cluster, il n'y a pas de souci. Mais Loki... Loki, lui, je ne sais pas où le mettre. Je m'explique. L'intérêt d'avoir des outils comme ça, c'est d'avoir de la visibilité sur votre cluster. Le jour où votre cluster tombe, vous n'avez plus accès aux outils, enfin en tout cas pas forcément, et du coup, vous n'avez plus accès aux informations qui sont intéressantes, comme le monitoring et les logs. Donc les logs ont besoin d'être joignables et d'être consultables en dehors de votre cluster. Vous allez dire, vu la gueule du cluster qui n'a que deux nœuds, tu te prends la tête pour rien, etc. C'est pas faux. Mais mon installation, elle est aussi pour réfléchir sur des points d'architecture que vous retrouvez en entreprise où vous séparez les rôles et vous ne faites pas tout dans votre cluster. J'ai vu chez des clients, j'ai géré des plateformes où, alors certes, on avait du cluster Kubernetes, mais qui gérait la collecte des logs pour d'autres clusters. Quand vous êtes chez un cloud provider, par défaut, le cloud provider va vous proposer son propre service de log. Sachant que si vous pouvez fuir Azure, je sais c'est vendredi, mais je me retiens pas. Hein. Si vous pouvez fuir Azure, fuyez, parce que le langage pour aller regarder dans les logs, c'est le fameux custo et c'est dégueulasse. Donc voilà, du coup, le Loki, lui... sera probablement déployé. Alors c'est Pimousse 2, c'est pas Pimousse 2, hein, c'est le petit là, parce que l'ancien qu'on a vu sur le réseau, lui, il va potentiellement changer de rôle, il va disparaître, et du coup c'est celui là qui va se retrouver, c'est le nouveau qui va se retrouver à bosser en permanence. Donc l'idée, c'est que Loki, voilà, va être déployé en dehors du cluster. Et on n'aura que Promtail qui va aller collecter les logs à l'intérieur du cluster pour les stocker à l'extérieur. Je ne vois pas le faire autrement. Cette réflexion... Oula. Je me la suis faite aussi pour... le monitoring. Et là, c'est encore plus délicat. Oups, là. Oui, c'est parce que je fais deux clics. Bon, là, pour le coup, j'ai pas de terme en français, mais tant pis. Donc, le monitoring, j'ai l'impression que ça descend, c'est pas droit. C'est définitivement pas droit. C'est pas grave. De toute façon, on... Hop. Le monitoring, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu du Prometheus. J'ai vu du Telegraph InfluxDB pour le cluster. Et pour l'instant, un flux DB. Et pour l'instant, c'est les seuls que j'ai retenus.
Je suis pas encore complètement décidé. Pourquoi? Pourquoi? Prometheus, quand vous le déployez dans un cluster, il va vous faire un truc comme... alors, je vais faire ça. Hop, faire ça. Ouf. Prometheus est un outil qui fonctionne en mode pool. C'est-à-dire que dans votre cluster, vous avez 1, 2, 3 nœuds. On va le faire comme ça, hein, on va faire ça simple. Je suis moyen forme. Hein. Hop. Donc dans votre cluster, vous allez avoir hop, des nodes exporteurs. Alors, pourquoi il me fait ça? Alors déjà, tu me fais ça, pitié. Ok. Voilà, hein, si c'est ça qui te dérange, hop. Vous en avez un par nœud. Et après, vous avez Prometheus qui va être déployé sur un des nœuds. Évidemment, il fallait qu'il me fasse ça comme ça. Voilà. Et ce Prometheus, il va aller interroger chaque node. Alors, je sais pas si... Ok. C'est lui qui va interroger chaque node exporteur pour stocker ces données. Et c'est à la fois donc le collecteur et la base de données. Il stocke les deux. Alors que Telegraph, lui, il est sur un mode, c'est un mode push, dans le sens où les données, c'est pas un flux, un flux DB, c'est la base de données. Mais c'est pas un flux DB qui va aller interroger les nodes exporteurs pour comment? Pour récupérer ces infos. C'est vous avez votre base de données quelque part. Alors si je veux la mettre aussi dans le cluster, mais c'est là où on va voir pourquoi c'est intéressant, c'est que. Alors, il y a les nodes exporteurs, ça c'est la base, et après c'est si vous avez. Ouais, c'est vrai que je termine un peu sur Prometheus. C'est confus, hein, mais comme d'habitude, je ne me suis pas préparé. Mais vous allez avoir une app 1. Et ici, vous avez une app 2. Ils vont être beaucoup trop petits, mes nœuds. Hop. On va les grossir. J'ai besoin de place. Donc j'avais dit une app 2. Donc Prometheus, si vous voulez, donc là par défaut vous avez les nodes exporteurs, et si vous voulez surveiller des applications qui exposent des métriques, leurs propres métriques, vous avez
vous avez la possibilité de déclarer dans le cluster des service monitors. Donc vous dites que ça va être un petit objet comme ça. Donc le service monitor qui dit /2 points, je sais pas moi, 90-91 /metrics par exemple. Et donc quand vous avez ça, vous avez l'opérateur qui va aller mettre à jour la configuration de Prometheus pour que Prometheus derrière vienne interroger. Alors on va le faire comme ça, on va le mettre en vert parce que c'est du vert. Hein, parce que c'est pas le même type de trafic que... Donc voilà. Mais tout ça doit se passer, enfin ne se passe forcément à l'intérieur du cluster Kubernetes. Alors pour la lisibilité, je pense que je vais faire app1. Je vais le mettre là. L'avantage c'est que. Hop, voilà. Alors qu'avec Telegraph InfluxDB, vous pouvez avoir votre base InfluxDB à l'extérieur du cluster. Alors en l'occurrence, comme ça, j'ai une musique un peu bizarre. Hein. InfluxDB. Alors, raté. Non, raté. Raté. On va y arriver. Hein. Hop. Voilà. Hop, vous pouvez avoir votre base de données qui est là. Et après, des télégraphes. Un ou plusieurs télégraphes au choix d'ailleurs, peut-être un seul même. Que vous allez paramétrer pour aller interroger les nodes exporteurs. Alors à minima, hein, évidemment. Puis eux, on va les mettre en bleu parce que... Voilà. Et qui vont ensuite... les données et télégraphe va ensuite pousser les données dans un flux db. Et l'avantage c'est que du coup après moi ma base de données bah elle va être généralement et potentiellement sur PIMUS 2 et du coup je peux l'interroger même si mes nœuds sont morts. Bon, à l'inverse, si c'est le flux db qui tombe, évidemment je le verrai pas. Ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Là, j'essaye de me concentrer sur ce qui va se passer au niveau de Kubernetes. Et c'est pareil, la plupart du temps, sur les clusters sur lesquels on travaille chez les cloud providers, le monitoring ne se trouve pas déployé à l'intérieur du cluster. Il se trouve déployé dans un service dédié. Et du coup, vous avez toujours accès aux données, même quand votre cluster il est mort. Donc en termes d'architecture, je trouve ça un peu plus intéressant. Et pourquoi je pense le faire comme ça? Parce que même si le stockage de Prometheus, lui, je peux le mettre sur le NAS. Le volume, il sera sur le NAS, il passera en... Donc, si Prometheus tombe, je peux toujours déployer un autre Prometheus en réutilisant le stockage qui est sur le NAS. Et après, j'ai plus qu'à pointer mon Grafana dessus et pouf, je peux visualiser mes données. Mais je suis pas super fan de la méthode. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que je ne sais plus, il faut que je regarde, parce que quand j'ai vu ce système-là de télégraphe, InfluxDB, je sais plus s'il y a un opérateur pour pouvoir rajouter de la conf à Telegraph pour qu'il aille interroger typiquement le service monitor de l'application. Alors d'ailleurs, il fait pas ça, il fait ça. Non, il fait pas ça, il fait ça. Je suis con. Donc,
voilà, je n'arrive pas à me décider, même si voilà, mon Prometheus, voilà, ça me... Alors ça marche très bien, hein. Faut pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Si je l'ai déployé en premier, c'est pas pour rien. J'ai eu l'occasion de le manipuler un petit peu sur un cluster de tests. Ça fonctionne très bien. Aussi chez un client. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment pas grand-chose à lui reprocher, à part le fait que voilà, c'est déployé dans le cluster, et quand vous déployez tout en mode stack facile, ça peut être particulièrement compliqué de déployer de la redondance, ou en tout cas de l'amélioration de disponibilité de cet outil-là, en particulier si vous avez besoin d'accéder aux données le jour où le cluster ne répond plus du tout. Ça, c'est, ça peut être compliqué. J'ai pas creusé le sujet. Alors, si ça se trouve, bon, manifestement, on n'est encore pas grand monde ce soir, donc j'aurai pas la réponse. Mais s'il y a quelqu'un qui regarde le replay, par exemple, il pourra m'expliquer plus facilement comment ça se goupille. En tout cas, voilà, et si ça se trouve, on testera les deux, parce qu'on pourra, dans ce cas-là, faire un comparatif. Après tout, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai comme ressources de déployer dans le cluster qui font que les RASPI se sentent en souffrance, donc on peut largement expérimenter tout, sans que ce soit une catastrophe. La difficulté que j'ai avec le... avec la solution Telegraph InfluxDB, c'est que elle est poussée. Les seuls articles que j'ai lus sur cette solution-là n'utilisent pas Grafana pour la visualisation des données, mais InfluxDB Cloud. Donc en fait, c'est le service cloud intégré de InfluxData, qui est la société derrière ces outils-là. Et évidemment, pour un cluster auto-hébergé, je ne suis pas spécialement fan. Ça a l'avantage de pouvoir de montrer comment configurer un agent Telegraph ou en tout cas un déploiement, un daemon set de Telegraph dans un cluster cube pour lui faire envoyer des données à l'extérieur. C'est pour ça que la solution plaisait bien. Mais du coup, bah pour la visualisation, je ne trouve quasiment aucune ressource qui concerne l'utilisation de Telegraph InfluxDB dans Kubernetes, en dehors de cette partie cloud. Et donc, vous n'allez pas trouver dans la bibliothèque de dashboard de Grafana de dashboard déjà tout prêt pour InfluxDB. Voilà. Pour InfluxDB, enfin pour Kubernetes monitoré via Telegraph InfluxDB. Ça m'emmerde un petit peu, parce que du coup, l'idée c'est quand même pas juste de collecter des données, c'est quand même de les visualiser. Ça risque de réduire fortement l'intérêt du setup Telegraph InfluxDB, parce que si on ne peut pas visualiser les données, voilà. Et il y a un autre sujet qui vient avec le monitoring, qui est voisin pour le coup. Alors, hop. Ah oui, mais il veut réduire la taille, bon, c'est pas grave. Ouais, parce qu'on va refaire une deuxième colonne à côté. C'est voisin, mais du coup... Oh la punaise. Hop. L'alerting. Alors évidemment, on voit que j'avais préparé mon coup, j'ai plus la place. Alors, l'idée c'est pas juste d'avoir des graphes, l'idée c'est d'avoir aussi des alertes pour quand ça ne fonctionne pas. Et là, si on déploie avec Prometheus, la solution c'est Alert Manager. C'est tout bête, voilà, c'est vite fait.
Et pour télégraphe, un flux DB, bah j'ai pas. Voilà. Comme ça. Ça règle la question. Donc évidemment, si j'ai pas d'alerte sur mon sur mon cluster, c'est un peu dommage. Et on parle même pas du canal d'alerte, hein, parce qu'il y a de grandes chances que ça passe par Telegram, parce que j'ai déjà LibreNMS de déployer sur Telegram. Je pense que je vais passer par là aussi. Mais du coup, voilà, il faut que je creuse aussi ce sujet-là. Donc il y a quand même... Il y a quand même plusieurs points faibles qui font que la solution Telegraph InfluxDB me plairont moins à l'usage, si on ne trouve pas de solution pour les problèmes que j'ai mentionnés juste avant. Comment? Alors qu'évidemment, Prometheus, c'est la Rolls, quoi. Pour Kubernetes. Donc on va voir. Je testerai probablement les deux. Je sais pas dans quel ordre. Je testerai probablement la journalisation avant. Dans un premier temps. Alors pourquoi vous avez besoin de stocker les logs d'ailleurs? Tiens, c'est peut-être un rappel aussi pour revenir sur les logs. Pourquoi on a besoin de sauvegarder les logs? Parce qu'on est dans un contexte de containerisation. Quand vous redémarrez ou quand vous supprimez un pod, le ou les conteneurs sous-jacents sont remplacés. Et dès que vous remplacez un conteneur, vous perdez les logs qui vont avec. Du coup, si pour une raison ou pour une autre, vous avez une application qui redémarre en boucle, qui crache parce qu'elle a un truc qui lui va pas, etc. Bah, si vous perdez les logs dès que le truc s'arrête, dès que le truc disparaît, et pour analyser le problème, pour savoir depuis quand ça se produit, pour essayer de trouver d'autres événements, etc., pour l'investigation tout simplement, et ça va être un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, l'idée c'est d'aller collecter et de garder. D'avoir une petite rétention sur tout ça. Voilà. Autre truc qu'on va... Alors, je sais pas si je vais le faire en live, ça n'a pas forcément un intérêt énorme. Je vous présenterai peut-être le résultat. Sauf que j'ai peut-être un petit souci avec ça, mais il faut que je vérifie avant. Sur l'épisode du réseau, on avait déployé Calico. Mais j'ai de plus en plus envie, surtout depuis que je l'ai testé en action, j'ai envie de passer à Cilium. Voilà. Ça fera le même boulot de base que Calico, c'est-à-dire que ça me donnera du réseau pour mes pods, ça me permettra de gérer mes network policy pour mes pods et pour mes namespace. Mais ça me permettra surtout, de voir ça. Alors, le problème, c'est que ils sont pas foutus de... Ok. On peut pas avoir une capture d'écran, c'est forcément une vidéo qui dure 10 minutes, ok. Bon, bah voilà, on peut voir l'image en grand. Vous pouvez avoir une cartographie de vos services, quand vous en avez plusieurs. Et je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on avait? Il n'y avait pas de... Alors, on va faire ça. Et si on cherche Hubble UI... Non, bah c'est ça en fait. Ok. C'est ça. Vous pouvez voir dans un namespace ou à l'échelle de votre cluster le trafic. Alors là, on voit
Bon, par rapport à la démo qu'il vous propose de faire dans le tuto, vous voyez que du trafic interne, mais vous allez voir aussi si vous avez du trafic externe, vous pourrez voir votre trafic externe. Donc moi, quand il sera déployé, normalement, je devrais pouvoir visualiser, typiquement quand je me rends sur mon lecteur de flux RSS, je peux voir que ça va passer par le trafic vient de l'extérieur, qui passe par Trefic, qui renvoie sur mon pod flux de Fresh RSS, qui lui, de son côté, doit interroger mon MariaDB. Donc normalement, on sera capable de visualiser ça, sachant qu'en plus, c'est dans des namespaces différents, donc on devrait avoir une jolie carte. Et ça, c'est pour le. Voilà. Donc l'installation en elle-même, c'est pas plus passionnant qu'un Calico, donc je pense pas qu'on verra grand-chose. Ça ait un grand intérêt que je le fasse en live. En plus, je m'en fous de le faire sans couper le service. J'en ai rien à foutre. Donc autant que je le fasse hors ligne, parce que je vais tout recouper. Je vais désinstaller Calico, je vais réinstaller Cilium. Voilà, bon bref. Je suis pas foufou. J'ai quand même un petit souci. C'est que je ne sais pas si. Si je peux utiliser. EBPF. Sur un Raspberry Pi. D'accord, là ça parle de kernel quand même très récent. Et ça j'ai pas pour l'instant. Donc il faut peut-être même que je réinstalle mes Raspberry Pi avant de tenter quoi que ce soit d'autre. Comment dire? Voilà, c'est du gros taf, j'ai pas spécialement envie ou besoin. Donc, alors ça pour le coup c'est indépendant de tout le reste, hein, mais c'est de la visibilité supplémentaire. Je sais pas quand je vais le faire. Mais en gros, il y a de grandes chances que je sois obligé de refaire une installation. Ce sera peut-être le coup de. Ça vaudra peut-être le coup de changer d'OS, pourquoi pas? Actuellement, j'utilise donc Raspberry Pi OS, qui est certes basé sur Debian, mais avec une quantité de hacks absolument affreuse, tout simplement. Donc j'ai pas spécialement envie de continuer avec ça. Il y a plein de trucs qui bloquent aussi avec ce concept-là. Je repartirai peut-être sur un OS beaucoup plus standard, avec un noyau qui sera plus récent, mais qui surtout aura des options par défaut qui seront beaucoup plus exploitables que le noyau de Raspberry Pi OS. Parce que le noyau de Raspberry Pi OS, il lui manque énormément de choses. Quand on voit. Alors, je pense souvent à un ancien collègue de travail avec qui a acheté à peu près ses Raspberry Pi à peu près en même temps que moi, qui lui a dû partir sur un Debian standard, parce qu'il a voulu tester Rook. Voilà. Sauf que Rook, ça se base sur une technologie de stockage qui s'appelle Ceph. Et pour utiliser Ceph, il faut des modules noyaux qui ne sont pas activés dans le noyau de Raspberry Pi OS. Et pour les activer, bah, la seule solution, c'est de recompiler. Et ceux qui me connaissent bien savent que je déteste la compilation par-dessus tout, parce que ça nique la maintenance comme pas permis. Donc je ne suis pas fan. Et du coup, donc typiquement, moi, je ne peux pas tester actuellement Rook à cause de ça. Sinon, il faut que je refasse le noyau sur mes nœuds. Heureusement que j'en ai que deux, mais c'est déjà deux de trop, en fait, pour ce genre d'opération. Donc, je suis pas fan. Et donc, c'est pas dit que Cilium me pose pas de problème parce que
J'ai potentiellement. Alors, il y a des éléments à comprendre avec 4OS, mais ça, c'est relativement facile à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est comme pour n'importe quelle installation de CNI, en fait, c'est que 4OS par défaut embarque déjà Flannel. Donc, l'idée, c'est de redémarrer le cluster sans Flannel pour être sûr de pouvoir ensuite. Voilà, donc désactiver Flannel, désactiver le support intégré des Network Policy, parce que Cilium vient avec ses propres définitions. Donc c'est à peu près tout, et après derrière le reste se fait en installant Cilium de la même façon que pour n'importe quel autre cluster. Donc au niveau de 4OS lui-même, j'ai pas de souci parce que je suis déjà dans une situation qui me va, qui me convient. Par contre, le noyau, lui, c'est une autre paire de manches. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai essayé cette semaine de déployer Cilium dans un cluster Kubernetes in Docker que j'ai commencé à déployer sur le WSL2 de mon travail. Donc le WSL2, donc le noyau, le même genre qu'on a là. Hein. Peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez. Et donc ce noyau-là, par défaut, bah, n'a même pas certains modules IPTable d'activer pour que Cilium fonctionne en mode IPTable. Et à mon avis, pour eBPF, je pense que ça va être plus ou moins la même. Faut se retaper toute la configuration pour vérifier ça. Mais du coup, là, c'est pareil. La solution que j'ai eue, que j'ai trouvée, c'est faut recompiler le noyau WSL2. Non. Enfin. Si, je l'ai tenté une première fois. Docker démarrait même plus. Donc j'ai dit, ok, bon, on arrête là, j'arrête les frais, j'ai fait une connerie. Je lâche l'affaire, je reviens sur le noyau par défaut et on recommencera plus tard. Le fait est que je m'étais basé sur une doc qui n'était pas forcément à jour, donc il manquait pas mal d'informations et je suis tombé sur un autre truc un peu plus énervé, mais qui est beaucoup plus long à suivre, c'est beaucoup plus compliqué de vérifier toute la configuration, etc., avant de lancer la compilation et d'avoir un noyau sur lequel démarrer et tenter après derrière d'avoir un truc qui marche. C'est... Bon bref, j'aime pas compiler des noyaux. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à le faire, que ce soit du module noyau ou du noyau tout court. Du coup, voilà, j'ai peut-être une remise à plat de mes nœuds Kubernetes à faire avant. Mais voilà, il y a Cilium qui est au programme. À quoi j'ai repensé du coup? Dernier truc dont je voulais parler. Qu'est-ce qu'il y avait en termes d'infrastructure pure et dure? Alors oui, potentiellement Cilium, si je l'installe en premier ou pas, je sais pas, on verra. Cilium a ça de très intéressant aussi que dans les versions récentes, on peut. Alors c'est où dans la doc? Il y a. Alors, c'est toujours en bêta pour l'instant, mais vous savez qu'actuellement, pour pouvoir accéder à mon cluster de l'extérieur, en tout cas au load balance, enfin, au trafic, j'ai une règle de NAT un peu dégueulasse qui vient sur un de mes nœuds. L'idée, c'est que cette règle-là saute pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, parce que là, si le nœud tombe, en fait, j'ai plus accès à rien. S'il n'y a qu'un seul des nœuds qui tombe, c'est un peu con, parce que la règle de NAT, elle est pas, elle s'amuse pas à load balancer sur les deux. Et sur la livebox, vous avez vu, hein, je peux rien faire de, enfin, je l'ai déjà montré, on peut rien faire de particulier. Enfin, presque. Et encore, parce qu'en vrai, il serait possible de pouvoir activer. Donc cette fonctionnalité-là, elle est encore en bêta, donc ce sera peut-être pas pour maintenant, mais qui permet de pouvoir déclarer une VIP, donc une adresse IP virtuelle, externe, qui a priori sera découvrable via ARP, donc
Donc, que la Livebox est susceptible de voir. Parce qu'elle aura une MAC adresse. C'est un problème que j'avais avec Metal LB. C'est que je pouvais joindre l'adresse IP, elle était visible du réseau local, mais la Livebox, ne voyant pas de MAC adresse, il ne me la mettait pas dans la liste. Ce petit enfoiré. Donc là, j'aurais potentiellement le... Comment? J'aurais potentiellement la visibilité de mon adresse IP virtuelle pour la Livebox. Et du coup, bah, j'aurais de la vraie haute disponibilité pour mon entrée réseau. Et donc, voilà. Bon, après, il y a aussi des politiques, ce genre de choses, mais je me suis pas encore penché là-dessus. Sinon, et si ça marche encore, il y a un hack dégueulasse, a priori, où on peut modifier, via les outils de développement de Firefox, on peut modifier le formulaire de création de règles de NAT pour changer l'adresse IP à la volée et forcer la règle de NAT sur une adresse IP en particulier, même si dans l'interface, ça ne correspond pas. Parce que derrière, on est quand même sur un routeur Linux, hein, donc une règle de NAT vers une IP, on peut le faire. C'est juste que l'interface de la Livebox ne nous le permet pas. Mais il y a moyen de. Y a... En tout cas, au mois de décembre, il y a un mec qui a partagé comment faire. Je ne sais pas si ça marche encore. Si ça marche encore, c'est dégueulasse. Je vais pas le tester ce soir, c'est quelque chose qu'on testera peut-être la prochaine fois. Pourquoi pas, parce que c'est rigolo et qu'on va le tenter. On peut le tenter sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Mais voilà. Donc, mais ça permettrait d'avoir un outil en moins. Il fait déjà du réseau. On aurait un seul outil qui gère l'intégralité du réseau. Et comme d'habitude, j'aime bien aller au plus simple et ce serait sympa. Ce serait vraiment sympa. Donc voilà. Je pense à ça aussi très fort. J'évoquerai peut-être aussi une évolution au niveau de Traefik. Alors pas spécialement parce que la version 3 est enfin passée en release candidate, mais parce que il y a un fonctionnement de Traefik, notamment lié à la gestion des certificats, qui me plaît pas, pour être poli. C'est-à-dire, en fait, donc je lui dis de générer les certificats avec Let's Encrypt. Jusque-là, on se dit pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais là, vous voyez par exemple, bah, drone.cbos66 et Vault Warden, c'est deux domaines qu'on a utilisés pendant comment? Pendant nos tests de ces deux outils. Donc le test initial de drone, en fait, j'ai pas utilisé. Au final, j'ai pas utilisé ce domaine-là. J'ai préféré utiliser un autre. Vault Warden, je l'ai jamais réutilisé. Et puis en fait, j'ai pas spécialement prévu de le réutiliser. Il n'y a plus rien qui est déployé, les namespaces n'existent plus, et pourtant, ils continuent de chercher à renouveler les domaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que c'est dans le volume. Ouais, c'est ça, il est dans slash data. Dans slash data, vous avez un fichier qui s'appelle acme.json. Et dans le acme.json, et ben en fait, il continue de garder. Donc dans le JSON, il enregistre quand vous créez des nouvelles ingress rules avec des nouveaux certificats, il va les gérer. Mais quand vous supprimez les règles d'ingress, il ne va pas supprimer. Vous voyez, mec, le Nextcloud. Alors lui, non, je ne l'ai pas supprimé, donc c'est normal, mais drone, je l'ai supprimé et en fait, il l'a gardé. Ça, c'est déployé. Ça, c'est déployé. Ça s'est déployé, ça s'est déployé, mais bah c'est tout. Mais on a quand même gardé Vault Warden et Drone qui n'ont rien à faire là. Et il les supprime pas.
Et autre effet de bord de ça, c'est que il ne, en tout cas avec la version open source gratuite, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pods de trafic. Donc si j'avais envie d'avoir un pod par nœud, je ne peux pas. Donc c'est chiant. Ce qui veut dire qu'on sera peut-être obligé de repasser par un autre fonctionnement de trafic, ce qui réduit un petit peu son intérêt. On va pas se mentir. Puisque on sera peut-être amené, pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, je passerai potentiellement par Cert Manager, tout simplement. Cert Manager, pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin d'en faire un truc. Pour ceux qui connaissent pas trop, ça permet de faire, de, comme son nom l'indique, de la gestion de certificats. Notamment pour des ingress rules, pour des ingress... Alors là, pour le coup, j'utiliserai pas d'ingress route, mais d'ingress rule. Donc ça demande une grosse reconfiguration de trafic, c'est peut-être ce qu'on fera un soir. Histoire de faire ça, histoire de découvrir un peu comment ça fonctionne. Et ça a l'avantage d'être un petit peu plus universel. J'ai pas forcément besoin d'autre chose avec pour Cert Manager que d'utiliser voilà, pour des certificats et de s'encrypt pour l'ingress controller. Mais après, ça génère des certificats, donc on peut Cert Manager permet de travailler avec... Alors, il y a même son propre domaine, voilà, ok. Et en plus, ça permet de... Voilà, ça permet de le générer, donc moi j'utilise Let's Encrypt. Mais vous pouvez générer des certificats depuis une quantité de fournisseurs de certificats qui est quand même voilà, on est bien. Moi j'ai que besoin de Let's Encrypt, donc ce sera bien. Donc voilà. Donc c'est un peu frustrant, et en fait pour ceux qui utilisent du trafic en open source dans prod, en fait ils passent quasiment tous par Cert Manager pour gérer leur certificat, parce que bah, c'est juste pas possible d'avoir qu'un seul pod sur une plateforme de production en haute disponibilité. C'est juste pas possible. Donc voilà, on va certainement jouer. Pareil, ça fera. Alors, soit ça tiendra un épisode complet, qui sera peut-être court, parce que si tout se passe bien du premier coup, on s'en foutra un peu. Mais on verra que, ouais, bon. Je suis quand même pas très fan de devoir passer par là. Parce que ça réduit quand même grandement l'intérêt. Mais le problème, c'est que pour gérer de la old dispo, bah, il faut passer par la version payante de Trafic. Pour un cluster comme le mien chez moi, non. Tout simplement, non. C'est con, en fait. Ça sert à rien. Donc on le fera autrement. Voilà. Donc vous voyez, hein, il reste encore pas mal de choses. Pour ceux qui me désespèrent de voir faire plus de Kubernetes... C'est pas le boulot qui manque, hein. C'est juste que j'aime bien varier les plaisirs et que justement, en fait, le concept, c'est que ma veille techno part dans tous les sens, à la fois pour du Kubernetes et en dehors de Kubernetes. Et donc, du coup, j'ai pas envie de me limiter à un seul sujet. J'aime bien aussi essayer de montrer, vous voyez, les épisodes autour de Nextcloud, de la synchronisation de contacts sur un téléphone, de la musique, etc. Ça permet aussi de montrer un peu des usages, on va dire, du monde réel, parce que Kubernetes, c'est de la plomberie en dessous. Ça reste du monde réel, mais c'est du monde réel pour des mecs qui vivent avec un clavier entre les mains. Pour les utilisateurs, c'est différent. Pour les gens qui vivent l'informatique au quotidien, c'est pas forcément... Voilà. On a envie de pouvoir aussi faire autre chose. Donc, et on n'est pas à l'abri aussi qu'un jour je me mette vraiment à faire du réseau propre.
Là, je demanderais peut-être un coup de main. On va pas se mentir. Il y a certainement quelqu'un qui devra me filer un coup de main parce que je serais trop mauvais pour le faire tout seul. Ah, il y a un truc aussi, c'est que je suis en train de revenir, je suis en train de repenser. Quand on aura des logs, entre autres, il y a un sujet orienté sécurité. On n'en fait pas beaucoup. Pour là, on n'en a pas beaucoup parlé de sécurité sur le. Sur un. Comment? Sur ce stream, c'est. Du coup, celui-là, je crois que je l'ai noté chez je l'ai noté dans Joplin. C'est. La notion. Je l'ai mis où? Là. De SIEM. Ah oui, puis il y a ça aussi. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais. En fait, le SNMP exporteur, c'est pour intégrer les métriques du NAS dans Prometheus. Ça, c'est un truc que je testerai peut-être. Enfin. Mais sinon, le SIEM. Le SIEM, ça veut dire quoi? Hop. Security Information Management. Donc c'est souvent Security Information and Event Management. Voilà. Donc l'idée, c'est de traiter et de générer et de traiter à partir de sources diverses et variées, dont les logs, des événements de sécurité qui peuvent mener ensuite à des actions. Par exemple, dans des cas en entreprise relativement fréquents, on va dire, par exemple, d'infection, d'infection type ransomware sur un parc de serveurs. Vous savez que certains ransomware vont générer des événements en particulier dans vos logs, du type c'est toujours les mêmes erreurs des mêmes services qui commencent à arriver une fois qu'ils se font chiffrer. Donc du coup, vous allez mettre des règles de surveillance sur vos logs pour dire ok, si on a 1, 2, 3, alors déjà si on a qu'un, c'est censé sonner dès le premier, mais si vous commencez à en voir plusieurs, vous pouvez définir une règle pour dire attention, c'est la grosse merde, faut tout couper. Et ça, vous n'allez pas forcément le voir à partir d'un monitoring classique, vous allez le voir à partir des journaux et d'un système globalisé d'analyse de journaux. Et quand vous avez des grosses entreprises comme ça, ce genre de système peut ingérer plusieurs millions de lignes par seconde pour essayer d'éviter de se faire foutre par terre par le moindre salopard qui commence à attaquer une infrastructure. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu ce genre d'outils. Ça sort un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Ça, c'est un sujet qui m'a été proposé par un pote qui, lui, bosse dans la cybersécurité, donc qui était intéressé par le fait de présenter ce genre de choses. Et je suis d'accord, parce que c'est le genre de choses que moi, j'ai pas vu, en fait, pour l'instant, parce que j'ai pas forcément cherché, mais dans tout ce que je peux voir. Comme vidéo, comme tuto, etc. C'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. Et c'est le genre d'outil que je connais vraiment très mal aussi. Et ça, faut que je le recontacte pour qu'on prépare un petit peu. Et pour ça, il faut aussi que j'ai déjà mes outils à moi en place de base pour qu'on commence à bosser avec. Et parce que sinon, si on y va à la one again, ce sera pas beau, ce sera pas propre. Bon, de toute façon, un truc propre, on n'en fait jamais, donc faut arrêter les conneries. Mais c'est rare qu'on fasse quelque chose de propre du premier coup. Mais il y a plusieurs outils qui permettent potentiellement de l'open source, en plus qui permettent de le faire. Donc on va pas se. Typiquement, je crois que Splunk, il y a moyen d'avoir une version gratos. Je suis pas sûr, mais. Bon, je dis peut-être des conneries. Sinon, voilà, on va chercher. Il y a forcément. Doit y avoir des outils qui existent qu'on peut tester comme ça. Le truc, c'est que souvent, dès qu'on parle de sécurité informatique, on tombe très vite sur des outils commerciaux, payants, etc. Donc c'est très compliqué de les présenter comme ça.
en mode test ou pour à usage personnel en fait, tout simplement. Enfin, on verra, voilà. Sur ce, je commence à avoir les yeux qui piquent très fort, donc je vais vous laisser là. Donc vous voyez, hein, je manque pas de sujet et je suis pas prêt d'arrêter les lives pour ça. C'est toujours la régularité et l'organisation qui reste un peu compliquée pour l'instant, j'avoue. On va pas se mentir. Surtout qu'en plus, j'aurais presque envie d'en faire un peu plus, mais voilà, déjà un par semaine, j'ai du mal à les tenir, donc en faire plus, c'est encore plus compliqué. Et en plus, j'ai pas vraiment même de, pour l'instant, mis en place de workflow où je peux travailler à la fois sur la Big Bertha là, qui est là, avec laquelle je stream, mais aussi en mobilité, donc parce qu'en plus mon laptop là il commence vraiment à être rincé le pauvre, donc c'est un peu compliqué si je veux faire un truc en mode nomade entre guillemets quand je suis pas chez moi. Même pour travailler en arrière-plan, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, tout le setup pour faire les vignettes pour Twitch et YouTube n'existe que sur l'ordi portable, les polices, etc. C'est installé, non, pas l'ordi portable, que sur le gros PC. Donc il va falloir que je travaille tout ça. Sauf que comme je pars demain matin à 8h, ce sera pas là. Pas pour ça. Ce sera pas pour ce week-end. Donc voilà, mais donc ouais, ça va être compliqué de faire un peu plus que ça. Enfin bref, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce soir. La semaine prochaine, si vraiment j'arrive à aller au bout de la démarche, j'aimerais quand même terminer le sujet Portainer, parce que j'ai vraiment envie de montrer comment on peut déployer, on l'a fait. Déployer, ça marche. C'est la partie mise à jour du déploiement que j'ai pas réussi à faire. Mais il faut qu'on trouve comment mettre à jour le déploiement sur Portainer. Et donc ça, il faut qu'on le termine. Et ça, sauf 4 forces majeures, ce sera vendredi prochain. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je sais pas, ce sera peut-être posté. Je vais peut-être réussir à poster le replay ce soir sur YouTube. Je garantis pas d'avoir la vignette du coup, pour le coup. Mais j'essaierai de poster, voilà, d'ici demain. Enfin, d'ici, parce que, ouais. Oui, ce soir, enfin, quoique. On va déjà le récupérer, bon, on verra. Parce que si je le fais pas avant demain matin. Sauf que là, je vais plus être là. Si je le fais pas avant demain matin, en fait, ou demain matin avant de partir, ce sera pas avant mardi. Autant dire que voilà, ça va être chiant. Voilà, bon, sur ce, bon week-end, amusez-vous bien, gavez-vous de chocolat, et on se retrouve au plus tard vendredi prochain. Ciao, ciao! C'est là.